good to be alive. You could be larger than life. Youpi Sport, cette année, c'est la 10e année qui existent ces rencontres Youpi Sport. En fait, à l'origine, il y a des élèves en situation de handicap se sont inscrits dans les collèges, dans les lycées, dans des dispositifs particuliers qui s'appelaient les UPI, Unités Pédagogiques d'Intégration. Et progressivement, il y a des enseignants de PS qui ont fait une heure de PS avec ce dispositif, puis deux, voire trois. Et avec un collègue d'histoire du collège de Verrières, on s'est dit, ces élèves, ils sont enthousiastes, ils ont vraiment envie de participer, ça serait bien qu'on fasse des rencontres. Et la première année, donc en 2006, on l'a fait sur une demi-journée à l'Oradou. Il y avait 5 établissements uniquement. Alors pourquoi Youpi? Parce que Youpi, pour les élèves, c'est un signe de joie, de plaisir, de bonheur. Et dans Youpi, il y a UPI, justement. Alors maintenant, le dispositif s'appelle des ULIS, mais on a gardé le cycle Youpi Sport, qui est rentré un petit peu dans les mœurs, enfin voilà. Voilà l'origine. Et de plus en plus, il y a de plus en plus d'ULIS dans l'établissement, donc il y a de plus en plus d'élèves présents. Cette année, par exemple, il y a 12 ateliers et il y a 260 élèves qui étaient inscrits, un peu de tout le département. Ce que j'apprécie beaucoup dans ces journées Youpi Sport, c'est que ça ouvre pour l'enfant des espaces de prise de risque et de découverte au niveau de la motricité. Et que du coup, cette prise de risque s'associe le plus souvent à de la réussite, puisqu'ils se mettent en jeu dans des activités qu'ils ont vues. Donc ils viennent avec l'intention de s'investir. Et quand ils arrivent à progresser, que ce soit tout simplement dans l'initiation des mouvements d'extension des bras de la boxe, de déplacement, jusqu'à la mise en situation réelle d'opposition. Du coup, ils arrivent à rentrer dans cette logique d'opposition, d'abord par le jeu, et puis ensuite par cet investissement affectif, où ils se mettent en danger vis-à-vis d'une image de la boxe qui leur a semblé peut-être brutale, et du coup, sous forme de jeu, comme ils viennent de le formuler là, aujourd'hui, c'est le plaisir d'être ensemble et de compter les points, parce que l'un a touché plus vite que l'autre à un moment donné. C'est une journée rigolote parce que en même temps, quand on fait du sport, on rigole, on se marre. Et puis en même temps, ça nous fait faire un peu plus de sport. Une journée où ils peuvent toucher au vrai sport, à la compétition, rencontrer d'autres élèves, c'est aussi rencontrer d'autres handicaps. Surtout jouer le jeu de la compétition, pour eux c'est important, et puis avec des sports adaptés pour eux, du coup où ils se retrouvent, où ils peuvent donner tout ce qu'ils peuvent physiquement et mentalement. C'est une bonne journée pour eux, en général on a toutes les années des retours super positifs. Alors, ce que je pourrais dire d'abord sur Youpi Sport, c'est que c'est une manifestation conviviale qui permet de rassembler et de faire participer à des activités qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, des gens qui, le plus souvent, dans leurs établissements, n'ont pas beaucoup d'éducation physique, voire d'activité physique. Donc, c'est à la fois convivial, ça permet à certains, si ce n'est pas pour la majorité, de démontrer qu'ils ont des capacités, dans les différents ateliers qu'on leur propose, que ce soit la sarbacane, que ce soit la boxe, que ce soit l'athlétisme, que ce soit la danse, la gymnastique, les figures libres. Ça permet également aux éducateurs de ces différents établissements de se rencontrer, alors qu'habituellement ils n'ont pas l'occasion de se rencontrer, et éventuellement de mettre en place peut-être des journées où ils pourraient se rendre visite les uns les autres, bref, de créer une dynamique. Et que cette dynamique puisse créer l'événement ou créer des événements dans les établissements.